Donc, en ce moment, on est à Québec avec Canot à glace Experience pour essayer le canot à glace. Bon, ben, tu veux mon vélo? Dans le fond, là, on quitte l'endroit où on a eu les explications. On va se diriger vers où? La rivière Saint-Charles. La rivière Saint-Charles, un peu plus haut pour avoir de la glace. Fait que, on y va. J'ai peur de pas y avoir un accident. Pour l'instant, tout va bien. On va passer son pied en diagonale. T'es très hâte? J'ai très hâte. Donc, première impression, c'est tout un workout. Vraiment, il se flanche juste pour une jambe par contre. Ouais. La jambe qui pousse sur la glace. La jambe qui trottine, puis les épaules aussi, parce qu'on met de la pression. Mais Emma, t'es quand même calée jusqu'à la moitié de la jambe. Moi, j'ai presque tombé dans l'eau. Je sais pas comment ça va se passer le reste de la Bon, fait que là, tout le monde s'est essayé sur la glace, on est tout en confiance. Et on y va. Pause. Elle est brune. On était de là complètement. On a tout traversé sur la trotte. Fait que là, on va aller jusqu'ici, transitionner, puis aller commencer à paddle. Fait que là, on est vraiment au milieu du fleuve. Je sais pas si vous voyez. Puis on prend un petit peu de chocolat chaud. Après ça, on va retourner à la rue de où est-ce qu'on est. Emma, comment t'as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. Nous avons les enfants. Emma, il est un petit peu froid. Non, mais j'ai vraiment eu du fun. C'est cool des sports de groupe comme ça où le fait de travailler ensemble. Oui. Ça fait que tu vas plus vite puis comme ouais. Tu enjoys le sport au maximum quand tout le monde est synchronisé. Voilà, fait que là on va retourner à l'accueil et on va aller dans le petit sauna. Oh, ça réchauffe.